Merci. Ce matin. Nous allons. Le titre de ce message. Pourquoi j'oublie? Pourquoi tu oublies? Toi chrétien, moi chrétien. Pourquoi j'oublie ma mission sur la terre? Pourquoi tu oublies ta mission sur la terre? Pourquoi nous oublions notre mission sur la terre? Alléluia. Amen. La même chose a failli arriver aux apôtres. Jésus avec eux pendant 3 ans et demi. Jésus n'a pas réellement attendu. Jésus mort sur la croix, Jésus enterré, Jésus ressuscité. Jésus est apparu au milieu des apôtres. Jésus a doué les apôtres. Lorsque Jésus est apparu, Jésus a doué les Jésus est resté avec eux. Et non pas rien. Mais en allant. Avant que Jésus ne monte au ciel, Jésus a parlé à celui à qui il a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Jésus, il est Alpha, il est Omega. Et Alpha, bon, il est Omega. Il connaît le début, il connaît la fin. Et nous vivons, nous bon, nous vivons. Il connaît le début et la fin, comment chaque apôtre va commencer et comment il va finir. Et nous vivons, bon, nous vivons. Des apôtres, nous pouvons nous faire bonnet et nous faisons. Alors, sur cette base, donc, nous sommes où? Il a pris Pierre comme dirigeant des apôtres. Comme la tête des apôtres. Mais il fut un moment où Pierre a failli fléchir. Pierre a failli faiblir. Pierre a failli oublier sa mission. Mais Jésus, connaissant l'homme, connaissant Pierre et l'amour qu'il porte pour Pierre et la mission de Pierre sur la terre, alors Jésus est revenu sur Pierre pour lui parler. Nous allons voir ce que Jésus a dit à Pierre. Alléluia. Amen. Jean 20, verset 21. Jean 20, verset 21. Alléluia. Amen. 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 Jean 20, 21, il est écrit. Et quand on... Jésus leur dit de nouveau. Jésus se voit dans les dévots. La paix soit avec vous. Fifaliti komiko. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Otolo semido komo Jésus semido ronier. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Alléluia. On continue. Jean 21, à partir de verset 15. Amen. Amen. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre. Fils de Jonas. Aussi Jonas ton. M'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci?
Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon fils de Jonas, Simon vit Jonas ton. M'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon fils de Jonas, Simon vit Jonas ton. M'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. Pierre a plu de cambia pour la tonton. M'aimes-tu? Bien y wana mia. Et il lui répondit, et wa yik bene bodo. Seigneur, oklu non. Tu sais toutes choses. Anyo nu pisese. Tu sais que je t'aime. Anyo edo yi wana we. Jésus lui dit, bon Jésus donne don. Paix mes brebis. Hol ne pas bouchele. On continue. Yini don koi. En vérité, je te le dis. Quand tu étais plus jeune, et tu te saignais toi-même, et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te saignera et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il dit, suis-moi. Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur a dû parler à Pierre. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que réellement l'amour que tu as là pour moi dépasse l'amour dont tu m'aimes plus que toi-même? Parce que Jésus ne demande plus en ce moment un amour naturel, mais un amour plus profond. Plus profond au point où Pierre doit s'aimer, doit aimer Jésus plus que lui-même. Plus que Pierre lui-même. Et parce que quand, tant que Pierre n'aime pas Jésus plus que sa propre vie, Pierre ne pourra pas faire la mission que Jésus l'a assignée sur la terre. Si Pierre aime quoi que ce soit dans ce monde plus que Jésus, alors Pierre ne peut pas accomplir la mission que Jésus est en train de lui assigner. Alors Jésus, trois fois de suite, a demandé si Pierre l'aimait. Jésus savait que Pierre l'aimait. Mais il veut que l'amour que Pierre a pour lui en ce moment-là soit plus profond. Et toi, tu es là, au moins il est pita, donne mi ton kaine, mais ni si son, ni clotam, ni tagba. Dépasse l'amour que les humains ont entre eux. Ni ou ga wan il est betole, non, toi, il est tchèche pas. Parce que c'est cet amour que lui, Jésus, il a pour l'humanité et il est mort pour l'humanité. Donc, moi, il est là, Jésus, donne à Iro, beaucoup, na Iro, la bisse. Parce que pour mourir pour l'humanité, il faut un amour qui dépasse l'amour des humains. Que l'amour qui va au-delà de l'entendement humain. Au-delà de l'amour dont nous prenons tous les jours dans nos bouches. L'amour qui va aller jusqu'à perdre sa propre vie.
L'amour qui va aller jusqu'à ne pas aimer sa propre vie. L'amour qui va aller jusqu'à ce que tu vas tout abandonner pour lui, Jésus-Christ, pour la mission de Christ. Alors, lorsque Jésus, pour la première fois, il a posé cette question à Pierre, Pierre a cru que c'est l'amour dont lui, il aimait Jésus, l'amour naturel. Mais lorsque lui posa la même question la seconde fois, Pierre maintenant a commencé par se rendre compte que ce n'est pas l'amour naturel que lui il avait pour Jésus-Christ. Alléluia. Et pour la troisième fois, Pierre a compris que Jésus parle d'un amour surnaturel. Parce que sans l'amour surnaturel de Jésus-Christ, personne ne peut accomplir la mission de Christ sur la terre. Alors, est-ce que c'est cet amour que nous avons pour Jésus-Christ en tant que fidèle peuple de Dieu? L'amour qui ne fera pas cas de sa propre vie même. L'amour qui ne fera pas cas de ses intérêts de ce monde. Jésus allait dire à Pierre, jusqu'à dire à Pierre, que la manière dont Pierre mourra, donc Jésus l'a préparé en même temps pour voir si Pierre pourra supporter. Mais Jésus est bien accepté cette mission de Jésus-Christ sur la terre. C'est à ce moment que Pierre lui-même l'a vu. Ah, cette affaire est sérieuse. Donc il faudrait que réellement il oublie ce qu'il avait en pensée, son travail, tout ce qu'il prenait comme un gain de ce monde, qu'il commence par l'oublier et réellement pratiquer l'amour surnaturel pour Jésus-Christ. Toi et moi, quelqu'un a dû abandonner son programme le premier jour que quelqu'un est venu vers moi, vers toi, pour annoncer l'évangile. Il a dû abandonner son programme. Quelqu'un a dû abandonner son plaisir. Le plaisir de ce monde. Quelqu'un a dû sacrifier son temps avant que ce dernier ne vienne vers moi pour m'annoncer l'évangile. Pour accomplir la mission que Jésus a assigné à tout chrétien, à tous ceux qui le reçoivent comme Seigneur, qui l'ont accepté comme Dieu le Sauveur, alors cette mission d'annoncer l'évangile est obligatoire pour chacun de nous. Mais c'est ça, il y a un son de l'île là où il y a un dagbe. Et tout le temps, maintenant, il y a un son de l'île.
Donc quelqu'un a-tu appliqué cette parole, cette prescription de Jésus-Christ? Et un jour, ce dernier est venu vers moi pour me parler de Jésus-Christ. Quelqu'un est venu vers toi pour te parler, sacrifier son temps tout pour venir te parler de Jésus-Christ. Peut-être ce n'est même pas une fois. Ce n'est même pas deux fois. Ce n'est même pas quatre fois. Ce n'est même pas quatre fois. Ça a duré même des mois. Ça a duré même des années. Avant que tu n'acceptes. Avant que je ne dise oui, Jésus est Seigneur. Avant que je ne confesse Jésus-Christ et tu ne confesses Jésus-Christ. Quand nous regardons ce temps sacrifié par ce dernier qui est entré d'accomplir la mission assignée par Jésus-Christ pour les fidèles, pour les chrétiens sur la terre est grand. Ce sacrifice est grand. Voici son nom éclos. La Bible dit, dans le livre de Pierre, 1 Pierre 2, nous allons le lire. Alléluia. Amen. Verset 9. 1 Pierre 2, verset 9. 1 Pierre 2, verset 9. Alléluia. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Le Seigneur nous dit, nous n'étions pas un peuple avant. Nous ne connaissions pas Jésus avant. Nous ne savons pas qui était Jésus. Mais Dieu a utilisé quelqu'un pour venir m'apprendre, pour venir t'apprendre, pour venir m'annoncer, pour venir t'annoncer qui est Jésus-Christ. Et comme tu es pour Christ, je suis pour Christ. Le Père m'a attiré, t'a attiré vers lui. Et tu as accepté Christ, tu as accepté Christ. Est-ce que le fait d'accepter Christ, que tu acceptes Christ, est-ce que c'est fini? C'est la fin de la mission? Non. Ce n'est pas la fin de la mission. C'est le début de la mission. Le commencement de la mission. Alors, le Seigneur est allé plus loin. Il t'a permis, il m'a permis de recevoir son esprit. Qui est le Saint-Esprit? L'esprit qui fortifie. L'esprit qui convainc. L'esprit que les apôtres ont reçu à Jérusalem. Et ils sont devenus des représentants de Jésus-Christ. La mission, l'esprit laquelle les disciples ont reçu. L'esprit que tu as reçu qui est le Saint-Esprit. Que j'ai reçu qui est le Saint-Esprit. C'est l'esprit là que les disciples ont reçu. Et
ils sont devenus des ambassadeurs de Christ. Et la peur a quitté leur vie. Les intérêts de ce monde ont fui de leur vie. L'amour naturel a été englouti par l'amour surnaturel pour Christ. C'est les rumeurs aujourd'hui. À cause de cela, on n'annonce plus de l'évangile. On ne fait plus de Dieu. Je disais. Je dis notre père est absent. Notre ami ton mansot, moi et ma fille. Depuis un bon moment. Notre frère est dit mansot au fiba. Le jour qu'il viendra. Quel bilan on va lui faire? Et t'as mis en donné, à son demi-wallon, les mis en donné. C'est le bilan des âmes. À l'inton la si haute, j'ai mis en donné. Ou bien le bilan des problèmes. Kabi tout classe si haute, mis en zèque pankouin. On trouvera des nouvelles âmes, on va mener vers lui. Papa, on a annoncé l'évangile. Voilà les nouvelles âmes qui sont là. Comme depuis que vous n'êtes pas là. Personne pour les entretenir. Parce que chacun avait son rôle. L'évangéliste a son rôle. Le pasteur a son rôle. L'évangéliste lui annonce l'évangile. L'évangéliste fait venir les âmes. Mais quand il fait venir les âmes, il libère les âmes à l'aimer du pasteur. C'est lui qui a reçu ce don. Pour payer sur les âmes. L'évangéliste lui s'occupe d'aller proclamer l'évangile. D'aller de maison en maison pour rassembler, pour ramener les âmes de l'église. Dans la bergerie. Maintenant, le berger, c'est à lui maintenant d'entretenir ses brebis. Alléluia. On peut faire un bilan des âmes. Ou bien un bilan des problèmes. Des difficultés. Des querelles. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui. Sous l'onction de notre papa Benjamin. Reprenons ce bâton. Ministre Kokko est lancé. D'évangélisation. Oui. N'attends pas qu'on doit appeler un groupe dans l'église. Mal noté. Il y a une belle clé, mais dans ton service. Ah, sans toi, mais donc. Au marché. Ah, dans ta boutique. Boutique, toi, dans ton atelier. Atelier, toi. Dans ta famille. Famille, toi, mais. Dans ton quartier. Quartier, toi. Dans ton village. Village, dans toi. Dans ton arrondissement. Ton fille, là, non. Dans ta commune. Fidèle ou non? Annonce l'évangile. Là où est la paix. Proclame l'évangile. Là où est la paix. Proclame la bonne nouvelle. Là où est la paix. Le Seigneur nous a tellement fortifiés pour nous montrer que celui qui proclame la bonne nouvelle, lui prend soin de lui. Lui prend soin de lui. Il ne l'abandonne pas. Et il a dit, bon sont les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Quand tu annonces l'évangile, oh, Paul, avec son âge, Paul, pourquoi est-ce que ses pieds étaient forts. À fois ton est signé noté. Parce qu'il utilisait son ses pieds. Le nonsens à fois ton est. Pour faire agrandir le règne de Dieu. Bonjour, nous sommes allés à Rome, ta main ou ton doigt. Le Seigneur a rendu beau ses pieds. Au coup, nous sommes à fois ton est. Fort ses pieds. Et pour ton noté. Fort ses pieds. Où est-ce à fois ton est signé noté? Si j'ai mal au dos. J'ai mal aux pieds. À fois ton loulou. J'ai dit Seigneur. Bonjour, délivre-moi. De cette maladie. Tout canami sera où toi ici. Délivre-moi. Tout canami. On se limite là. Mais non, là, donc, pas le flingue. Où est la part de Dieu? Moi aussi. Était à l'état où on a monté. La part de Dieu est où?
Mais quand il lui dit derrière moi, prends mes pieds forts, les nerfs à reprendre vie, pour proclamer ton royaume. Oh, ciel bouge. Devant les anges de Dieu maintenant, Jésus lui-même n'aura plus honte de dire, allez, un de mes enfants qui est malade, qui n'arrive pas à cause de sa maladie, probablement. Alléluia. Prends cet engagement ce matin, mon frère. Que je prenne cet engagement ce matin. D'annoncer la bonne nouvelle de Christ. De proclamer le royaume de Dieu. Fais comme si Jésus devient d'accepter, n'est-ce pas, nouvellement Jésus-Christ. Le zèle que j'avais, tu avais. Au moment où ils sont venus te proclamer l'évangile, le zèle que j'avais, tu avais, qu'on reprenne ce zèle. Parce que je sais que ce zèle n'est plus que pourvu de la connaissance. Au contraire, Christ a fait en sorte que ce zèle est rempli maintenant de la connaissance. C'est le moment maintenant d'annoncer l'évangile. Alléluia. Mon frère, ma soeur, regardez comment nous chérissons nos enfants. Malgré les faiblesses qu'il y a dans leur vie, regardez l'amour que nous manifestons envers eux. Malgré les bêtises qu'ils font, on ne les rejette pas. On est compatissant pour nos enfants. C'est ce que Jésus veut pour nous. Pour ceux qui sont loin aussi. Qu'on soit compatissant. Les hommes de Dieu ont même le peuple plus les propres enfants. Sinon, ils ne peuvent jamais devenir serviteurs de Dieu. Jamais. C'est ton amour. L'amour pour ton entourage, pour ta famille, est plus grand que l'amour que tu dois donner au peuple. Dieu ne va jamais te prendre pour être son serviteur. Jamais. Mais s'il voit que l'amour que tu as, ce que tu ne peux même pas faire pour ton enfant, tu peux le faire pour quelqu'un que tu ne connais même pas. C'est vrai, c'est Dieu qui nous a créés. La Bible dit qu'à cause de nos péchés, on était ennemis de Dieu. Et la Bible dit que nous avons mis ton lait sur nous, nous avons mis ton lait. Ennemi de Dieu. On parle d'ennemi. Mais malgré ça, Dieu nous a tellement aimés. On était ennemis de Dieu. Par nos œuvres. Par nos comportements. Mais lui, à cause de l'amour qu'il a pour nous, alors il a envoyé son fils. Et ça vient ton dos. Pour nous délivrer. Pour enlever cette barrière entre nous et lui. Il est mort sur la croix pour ça. Il a versé son sang pour ça. Il a fait souffrir sa chair pour ça. Alors, cette barrière entre nous et Dieu, par sa mort, par la mort du fils, a été ôté, a été arraché, a été enlevé. La même manière, mon frère, tu donnes ton temps pour sauver une âme, pour
Entre ta bénédiction et toi et moi. Le Seigneur va l'enlever. Le Seigneur va l'enlever. Alléluia. Amen. Voilà ce que j'ai pour le matin. Ce que le Seigneur m'a inspiré. Alors, n'oublions pas notre mission sur la terre. Celle de proclamer l'évangile. De faire grandir l'église. On Jehovah, oh, on Jehovah.